الحمد لله أول بلا بداية الحمد لله آخر بلا نهاية الحمد لله من تكلم سمع الله كلامه الحمد لله من عاش فعلى الله رزقه الحمد لله من مات فإلى الله منقلبه الحمد لله العلي الأعلى الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشكر لله. La surface du terrain là, ça fait presque 9000 mètres carrés. Nous à la base on avait 150 mètres carrés. Ensuite, on a agrandi. C'est après quand tous nos papiers étaient dans la règle, c'est là on a commencé à faire le plan, etc. Voilà, bismillah. Ça, c'est l'esplanade, comme je te disais. Et comme tu sais, en bas, il fait chaud, c'est pour ça qu'on est parti sur une esplanade. Beaucoup de gens ici au Sénégal, ils aiment bien prier dehors. Donc, tu vois, l'esplanade, on a fait exprès de bien soulever le toit pour que le vent y rentre. Voilà, là, c'est la mosquée des hommes. Donc, normalement, la surface intérieure de la mosquée, c'est 400 mètres carrés. Là, ici, là. Sans compter l'extérieur. Sans compter l'extérieur. Donc après, il y aura les ventilos, les lumières. Les fenêtres, on a fait exprès de les élever aussi pour que l'air entre. Comme Tamba, il fait chaud, tout ça pour faire entrer la lumière et faire entrer le vent. Normalement, ici, c'est le minaret. Tu vois, l'imam, il va se tenir ici pour le prêche du vendredi. La chambre de l'imam, il sera là, il monte là et il est face aux gens. L'imam, il rentre par là. Il rentre par là et si c'est rempli, tu peux mettre des autorités ou des gens ici en attendant, tu vois. Là, ici, pareil, il y aura les lumières, il y aura les ventilos, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà, ici, normalement, on a pris une bibliothèque. On peut mettre des étagères, mettre des livres, celui-là qui veut lire tranquillement. Ah, je révèle le Coran ici, tranquille, il se pose. Ah, celui-là, entre deux prières, celui-là qui veut lire des livres, etc. Mais une mosquée comme ici, à Tamba, il n'y en a pas. Une mosquée où il y a des clims, les gens, ils ne connaissent pas. Voilà, après je te disais, concernant les panneaux solaires, ils vont être fixés ici. Normalement, il y aura 60 panneaux solaires. Toute la surface ici. Ouais, sur la majorité de la surface. En haut du minaret, il y a le paratonnerre. Ça, le tonnerre, ça va directement sur cette machine. Et automatiquement, cette machine-là va le faire descendre dans le sol. Donc là, tu es très bien placé aussi pour voir les murs de clôture qu'on a fait. Jusqu'à là-bas. Tu vois, tout ça, là, ça fait partie du terrain. Après, jusqu'à là-bas et tu fais le tour après. C'est ces deux choses-là, la mosquée et le lycée technique, c'est ça qui donne de la valeur au quartier en fait. C'est ce qui va faire que le jour où la route elle va venir, les gens ils vont venir habiter vite fait, bien fait. Ça, c'est le réservoir de 5000 litres. C'est le forage qui l'alimente. Donc quand il est plein, bah, ça peut alimenter toute la mosquée, les toilettes pour faire les ablutions, etc. Donc l'étanchéité, c'est pour éviter que l'eau s'infiltre. Donc là, on a commencé par la mosquée des femmes. L'étanchéité, elle est terminée. Et là, c'est la mosquée des femmes. Ici, ça fait 100 mètres carrés, l'intérieur, là. Avec autour, là, je dis 50 mètres carrés. Ça fait 150 mètres carrés. Voilà. Donc, on a tout fait pour qu'elle soit à l'aise. Tu vois, là, on a mis assez vitrées teintées. De l'extérieur, les hommes, ils ne voient pas à l'intérieur. Et de l'intérieur, on peut voir à l'extérieur. Donc, tu vois, là, ils sont face à l'imam, là-bas, directement. Les plafonds, c'est fini. Ils ont mis la dernière couche de peinture. Les lumières aussi, c'est bon. Donc, il reste que les finitions, là. Il y aura 4 clims ici, normalement. Ah, dans tous les ronds-coins, quoi. Voilà. Tous les ronds-coins, il y aura une clim. Ah, donc, ça veut dire que le panneau solaire, en fait, c'est la meilleure option. Ouais. Ah, panneau solaire, c'est clair et net. Tu vois? Ça, c'est une télécommande pour chaque lampe et chaque ventilo, en fait. J'ai fait le maximum, hein. Franchement, là, c'est magnifique. C'est les toilettes des femmes. Et ici, on a fait exprès de mettre ça, là. Quand les femmes veulent prendre les ablutions, qu'on a mis ce mur-là. Là, elles s'assoient ici, normalement. Tu vois, là, il y aura des robinets. Un, deux, il y aura trois robinets, là. Autour de la mosquée, on a planté des arbres. Ça va faire deux ans ou trois ans, on les a plantés, ces arbres-là. L'internat, normalement, c'est prévu ici. Après, s'il y a les moyens, le dispensaire, c'est prévu là. Les locaux commerciaux, là, on a largement de la place. Tout ça, ça nous appartient.
On incite les frères et sœurs à nous aider à chaque fois avec nos vidéos, nos messages, participer, participer. Mais quand tu viens sur place, là, tu vois vraiment la réalité, le besoin et le travail qui a été accompli. Ce projet, votre projet, qui a vu jour aujourd'hui, qui est la plus grande mosquée de toute la région, franchement, c'est une fierté. Je me suis déplacé pour voir qu'est-ce que nos dons ont contribué et je ne suis pas déçu aujourd'hui. Donc, merci encore à Amana pour l'invitation. Merci à vous les donateurs, sans qui ce projet n'aurait jamais eu lieu. Alhamdoulilah, c'est avec une très grande joie qu'on a accueilli le PDG de Salam Transport, Ibrahim Assila, qui est venu nous rendre visite sur le chantier de notre projet commun Sadaqa Diari à Tambacounda. C'est une grande fierté pour nous, une grande joie pour nous. Et on invite les frères et sœurs qui souhaitent venir se rendre sur place pour visiter notre projet commun Sadaqa Diari à Tambacounda. Ce serait une grande fierté, une grande joie pour nous, pour vous montrer où est-ce que vos dons ont atterri. Falillah, alhamdulillah, à chaque fois que je reviens sur place, c'est toujours avec le cœur rempli de joie et de fierté qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis de réaliser ce projet-là. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran « Hal jaza'u l'ihsan illa l'ihsan » Y a-t-il une autre récompense pour le bien que le bien ? Donc toute personne qui a contribué, qui a participé avec nous, avec sincérité, de ce qu'on espère qu'Allah Azza wa Jalla vous récompensera, toute personne qui priera dans cette mosquée-là, même après notre mort, on espère qu'on sera récompensé, Inch'Allah. En tout cas, le travail continue, chers frères et sœurs. Ce qu'on fait en bien, on le minimise, on l'oublie et on continue à avancer. Qu'Allah vous récompense en bien au nom de toute l'association. On remercie Salam Transport et toute son équipe qui sont déplacées. Et on espère que d'autres personnes, toute personne qui veut se rendre sur place, bah, on vous accueillera les bras ouverts. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.